Pas les blébeurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse la découvrir ce vlog au Madmen Stadium et on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Ça fait 20 minutes que ça joue, qu'est-ce que t'en penses? C'est non. Vas. Allez, tu nous. Allez, c'est pas comme ça. En vrai, ouais. Ah bah non, là-bas, 34 minutes. On a 34 minutes. On a la route sur le monde. Mon cher Patou, t'es pas content. Attends, alors. Bon point là. Attends, on va voir si en avant. Ah oui, en avant. Ah, ça a fini de gueuler. Là. Ouais, ben j'ai pas vu de là. Ça va, ou ouais, c'est vrai. T'en penses quoi de la première période? Pas terrible, hein? Pas terrible. On est rentré dans le match qu'à la fin de la première mi-temps. Boxis, il ferait mieux de mettre de la pâte à fixe sur ses mains. Hein? Il faut qu'il mette de la pâte à fixe sur ses mains. Non, mais c'est pas de Boxis, on fait des en avant. Trop d'erreurs alors. Voilà. Bon, d'accord, il est pas content. Des en avant. Ouais. Lionel Boxis. Thank you.
quand même. Allez, faut en mettre deux autres là. Son pote il est pas dans le staff du stade français, Popé, son pote. Ah, c'est bon là maintenant, on tient le bon bout. On lui comprend pas l'essai. Alors, ça passe quoi? Ben super. Le Stade de France. Bon, on va voir, c'est pour là. Qui c'est les meilleurs joueurs pour toi ce soir? Tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai pas à dire grand chose parce que le match n'était pas très beau.
France, va pas une trace. Hein. Normal. Va loue Stade Français à Paris. Va être champion de France. Loue Stade Français en finale. Stade Français en finale, oui. D'accord. Qui va gagner la finale. Merci. Comme d'habitude, là où on nous attend pas. Merci. Bonne chance. Ouais, on bonne est toujours, nous, on aime bien là où on nous attend pas. Arbitrage, les joueurs. Là, déjà, on va regarder les joueurs passer. Parce qu'ils sentent là. T'as déjà deux. T'en as un joueur. Franchement, l'arbitrage, ben, peut mieux faire. Parce qu'il y a beaucoup d'en avant qui ont pas été sifflés. Des cravates. Ouais, c'est vrai. Et beaucoup de choses à revoir. Après, dans l'ensemble, il y a eu une bonne cohésion du groupe. Et puis, ça a bien joué au niveau du groupe. Vous pensez qu'on va aller loin cette année ou pas? Ça va être dur. On peut finir dans les 6 premiers, mais ça va être dur. Mais c'est faisable. C'est faisable. Faisable. Ça peut être jouable. De l'autre côté, ils nous ont dit Stade Français en finale. Donc, Ouais, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que les Parisiens, c'est comme d'habitude, c'est tous des grandes gueules. Donc les Parisiens, ils parlent beaucoup, mais il y a peu d'actes derrière. Après, c'est pas le pognon qui régit les joueurs et c'est pas ce qui fait le jeu derrière. D'accord, merci. Voilà. On enlève la bière, hein, ça fait des ordres. Allez, ouais, tu peux la prendre hein, un peu plus ou un peu moins. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbitrage? Non, mais rien, moi, quand on est rugby, on pense rien de l'arbitrage. Mais... on pense la bière. On a été surpris par l'instant. Voilà. Globalement, c'est bien payé, 41 points. On m'aurait dit ça avant le match, je l'aurais pas cru. Et à la fin du match, 41 points contre le Stade Français, ça fait beaucoup. Surtout qu'ils sont croisés. Après, grosse mêlée. Ils sont pas d'internationaux, là, et ils sont tous partis aussi. C'est un match qui n'est pas forcément représentatif entre le Stade Français. Après, grosse mêlée. Des joueurs qui sont rentrés, bonne valeur ajoutée, une charnière qui coince, d'un point de vue. Oui, et puis des lignes arrière qui ont eu du pot sur un certain nombre de ballons. Voilà, 41 points, ça fait beaucoup. C'est bon. Bon, ben merci, monsieur. Merci. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Je vous dis quichette panier, à la prochaine. Salut.